Quoi? Tout va bien? Ouais. Comment ça se passe de ton côté? C'est ma chemise. Plus maintenant. Alors? Ça avance bien? J'ai pu la démarrer. Croise les doigts pour qu'elle ne tombe pas en panne. Tu peux tout réparer. Ouais. Mais d'un autre côté, ta mère croise les doigts pour qu'elle tombe en panne. Donc, on verra qui a le plus de chance. Bon, j'y retourne. Il faut bien. Tu la sautes, pas vrai? Qui? Qui? On n'est que trois dans cette maison, Majors. Si c'était moi que tu sautais, je le saurais. M'appelle pas comme ça. Pourquoi? Je t'ai toujours appelé comme ça. Comment tu connais mon nom de famille? Ben, figure-toi que c'est aussi le mien. Je te défends de dire ça. Tu m'as manqué, Majors. Je t'ai demandé d'arrêter. J'ai passé mon temps à ça. Tu n'es jamais là. Je reste assise dans cette maison. Tu me manques. Billy est parti. C'est moi. Marie. Tu racontes n'importe quoi. Marie est morte, alors je te demande de respecter ma femme si tu ne veux pas recevoir une gifle. Tu me frapperas pas. Tu ne l'as jamais fait. Même quand je te provoquais. Même quand c'est moi qui te frappais. Quand Billy était à l'hôpital, son esprit a quitté son corps. Et le mien l'a remplacé. C'est moi, mon chéri.